Salut les filles, aujourd'hui je vous propose une coiffure assez simple, assez rapide et assez chic à la fois. Mais avant, je vais vous montrer comment j'avais rattrapé mes cheveux secs de la dernière fois. Alors, je vous montre comment mes cheveux étaient le lendemain. Pour celles qui doutaient de la sécheresse de mes cheveux, ils étaient vraiment secs. Et ce que j'ai fait, je me suis confectionné in extremis une sorte de beurre lait capillaire pour l'appliquer sur mes cheveux. Pour l'application, j'ai procédé par section. J'ai d'abord vaporisé mes cheveux, ensuite j'ai appliqué une bonne noisette sur chaque mèche et j'ai fait des vanilles. Après avoir fini les vanilles, j'ai appliqué la technique de la banding method, je pense que c'est ça. Donc j'ai appliqué des élastiques sur mes cheveux par 3 ou 4 vanilles. J'ai arrêté mes cheveux en chignon et j'ai conservé mes cheveux comme ça pendant 5 jours. Donc 5 jours plus tard, on se rend compte que mes cheveux sont assez souples. Donc le problème de sécheresse est plus ou moins résolu. Et maintenant, je vais procéder à la coiffure. Avant de m'occuper de la frange de devant, je vais encore poser un élastique. Cette fois-ci, question de bien sécuriser la frange pour pouvoir mieux la travailler. Donc ici, pour la frange de devant, j'ai 3 parties. Une petite mèche, une grosse partie et une moyenne partie. Donc je vais torsader la moyenne partie que je vais joindre à la petite mèche de l'autre côté. Et avec les deux, je vais faire une tresse. Dès que c'est fait, je ramène le reste de mes cheveux sur le côté, comme ici, et je fais encore une sorte de torsade. Je sécurise avec une pince. Voici ce que j'ai pour l'instant, et pour avoir un meilleur relief entre les deux torsades que j'ai faites sur la frange de devant, je vais apposer une pince décorative avec des perles pour que ça se voie mieux en fait, que ça fasse un joli ensemble. Donc voilà les filles, la coiffure est terminée. Bien entendu, vous pouvez enlever l'élastique que vous avez posé devant parce que ça servait juste pour sécuriser la frange. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!